L'analphabétisme et les inégalités d'accès à l'éducation renforcent les inégalités entre les hommes et les femmes au Tchad et plus particulièrement en milieu rural. En matière de professionnalisation de l'agriculture, les femmes ont moins accès à des postes de responsabilité dans les organisations paysannes. Elles ont plus de difficultés à se former et à restituer les formations à leurs pairs, freinant ainsi leur capacité de mobilisation et d'animation. Le projet ALFOP, entendu par Alphabétisation fonctionnelle des femmes membres des organisations paysannes du Tchad, est un projet financé par l'AFD pour une durée de 4 ans. Ce projet a 4 partenaires opérationnels. Il s'agit de AFDI, une organisation des agriculteurs français, qui s'occupe de la coordination du suivi du projet. Il s'agit d'Aster International, une plateforme des experts en genre qui s'occupe de tout ce qui est transversal genre dans le projet. Nous avons Lead Tchad, une ONG nationale qui a l'expertise dans le domaine d'alphabétisation et qui s'occupe de tout ce qui est technique, formation, suivi des centres. Et nous avons le CNCPRT, qui est la plateforme nationale des producteurs ruraux du Tchad et qui s'occupe de coordonner les organisations paysannes dans le projet. En plus de ces 4 partenaires, nous avons 3 organisations paysannes au niveau des provinces. Donc il y a Aprofica, une organisation des femmes qui s'occupe de la transformation des qualités en beurre, en savon et autres éléments, et qui est basée à Koumra. On a aussi Atecor, une fédération de femmes qui s'occupe de la transformation des produits locaux et de la production de la farine enrichie, basée à Doba dans le Logone oriental. Et nous avons la FC Jarlor, la Fédération des jeunes agriculteurs du Logone oriental, qui accompagne les jeunes dans leur installation et dans la production agricole, qui est basée à Doba dans le Logone oriental. En s'appuyant sur les OP régionales, l'alphabétisation fonctionnelle tournée vers l'agriculture proposée par le projet va permettre aux 2100 bénéficiaires de changer via des formations agricoles et du conseil à l'exploitation familiale. Les apprenantes pourront planifier, anticiper, analyser leur campagne agricole et mieux cerner leur place dans les exploitations. Nous accompagnerons l'intégration du genre plus globalement, de manière transversale, dans le projet durant les 4 années. Nous allons accompagner également les actions de sensibilisation que l'IDM et les OP vont engager sur le terrain. Nous contribuerons à la formation des facilitateurs et facilitatrices des cercles reflètes pour que l'approche genre soit intégrée dans la manière dont les modules vont être développés au profit des apprenantes et des apprenants. AFDI a mis en place le conseil à l'exploitation familiale à travers des outils préparés, et AFDI assure aussi l'animation de ces formations. Ces formations qui sont données aux paysans relais pour ensuite accompagner les productrices au niveau de la base. Ces formations sont également données aux facilitateurs qui arrivaient dans les centres d'alphabétisation, anime le CEF aux apprenantes. Et,
s'engagent dans les outils utilisés pour assurer la bonne gestion de leur récolte, la bonne gestion de leur trésorerie, de leurs finances. Dans le projet ALFOP, il y a deux institutions qui utilisent les méthodes qui sont presque semblables. Il y a l'IPCAD qui utilise la méthode REFLECT et ASPER International qui utilise la méthode ARA. Les deux méthodes ont un seul point de chute en termes d'objectifs, c'est-à-dire la recherche et action. ARA, c'est atelier, réflexion, action, c'est-à-dire se regrouper, identifier vos problèmes et chercher des causes et aussi chercher des solutions pour vous permettre à effacer ces problèmes que tu as dans ta vie. Cette méthode qu'on appelle la méthode REFLECT ou bien c'est l'alphabétisation frénière régénérée à travers les techniques et les pouvoirs des communautés. Donc on met un accent sur le pouvoir que la communauté doit détenir. Si on prend l'arbre, un arbre a trois parties. Il y a les racines, il y a le tronc et il y a les branches. Donc, dans le cadre de l'exploitation de cet arbre à problème, on définit d'abord quel est le problème central qu'on veut identifier. On identifie le problème et on le place comme étant le tronc de l'arbre. Ensuite, on discute des causes de ce problème. Et les causes de ce problème sont les racines de l'arbre. En plus de ça, on identifie maintenant les conséquences qui sont les branches. Pour moi, en tant qu'inspecteur gestionnaire de l'ALFOP dans le Mandoul, je suis très content. Et quand moi je vois une vieille femme en train de lire et écrire et en train de transformer les produits locaux dans l'agriculture et le jardin, et quand je lui pose la question, qui t'a appris ça, non, mais ce que vous m'avez appris là, c'est ça que je mets en pratique. Là, c'est une. Ça me donne de la joie. Je suis fier de ce que je suis en train de faire. Donc, pour moi, en tant qu'agent de l'État, affecté et déconcentré de l'État, l'idée idéale pour que l'État puisse continuer, puisse appliquer la méthode là, la stratégie de vulgariser cette connaissance dans les provinces joueurs capitales. Mais quand il a mis moi ma changement tour, donc qu'était le, ton gars nous donne monda, ma mère de bébé a madu, oui, a dit que dernier mois couloir il donne, mais pour le moment là, donne je carai couloir, dernier je carai couloir là, rad changement tour mais qu'est-ce que, donc qu'était couloir, comment a dit Murane gestion do nek ngam je goto admi ak nek ngam je mado yube me pour le mada maya ka mo kam nelam mad las mad muso mad te mader ba e to ka murane kulu ka murane ba me kaylam ya me belam ya kulu après nak jelam ta do da changement to rode ta de dis do sa ka jim do ne do ngam ngam mo ne mad ta man ya mama Voilà. Cette activité, on a commencé avec le début du projet en faisant d'abord, et c'est Aster qui a coordonné ça, en aidant l'équipe à faire ce qu'on appelle le diagnostic territorial sensible aux gens. Le DTPJT, donc on a fait ce diagnostic-là qui a permis déjà au début du projet d'identifier les inégalités sociales qui pourraient constituer des freins au développement de ces localités dans lesquelles on va mettre en place des cercles reflets pour pouvoir intégrer déjà ces inégalités dans les causeries, dans les transformations sociales qu'on peut introduire dans ces localités-là. Après ce diagnostic, les résultats du diagnostic nous ont permis d'élaborer les guides des facilitateurs. C'est-à-dire quand les besoins sont déjà recensés, à partir de ce diagnostic-là, nous avons élaboré des guides
des facilitateurs. Après l'élaboration du guide, nous nous sommes retrouvés avec tous les acteurs de mise en œuvre, c'est-à-dire l'IT a organisé un atelier pour valider le contenu de ces guides-là. Donc après que le contenu du guide ait été validé, l'IT a organisé également la formation des facilitateurs après avoir les recrutés. Après cette formation, nous avons également lancé le recrutement des apprenantes. Et après cela, on a lancé l'animation des centres. Chaque centre a 2 facilitateurs, donc soit 24 facilitateurs par province. Donc nous avons en gros 48 facilitateurs qui ont été formés et qui animent ces centres-là. Bon, à la première campagne, on a été un peu perturbé par la COVID et donc la campagne n'a pas pu normalement se dérouler. Et après cette campagne-là, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas tellement d'engouement. Il n'y a pas tellement d'engouement, donc cela nous a amené à organiser une sensibilisation dans chaque communauté pour permettre aux gens de libérer vraiment les femmes pour pouvoir participer massivement au niveau des cercles réflexes. Donc, après cette sensibilisation-là, il y a eu assez d'apprenants qui sont inscrits et l'engouement y est. Donc, c'est ce qui nous a permis de passer normalement la première campagne qui, à la fin, nous a permis de faire la première évaluation. On a effectué des visites d'échange à travers les provinces pour s'échanger sur la réalité du terrain. Pour moi, c'était un échange entre paysans et sur l'échange également de pratiques et de méthodes culturelles qu'on utilise. Donc, c'était vraiment une réussite pour moi parce que tous ceux qui sont arrivés vont repartir avec au moins ces quelques notions de ce que c'est que la culture, ce que c'est que la culture de maïs. Et ça nous a permis également d'aller voir l'alphabétisation qui était dans notre OP, nous les trois. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui nous a dit depuis qu'elle était née, elle n'a pas mis pied à l'école, mais elle arrive déjà à écrire des alphabets et prononcer l'alphabet. Donc c'était vraiment des témoignages concrets et des témoignages vifs que nous sommes venus tirer. On est venu de y a ceux qui ont venu sont venus de du Mandoul. Nous qui sommes ici dans le Logone oriental, mais on était 3 OP à se retrouver. On est allé à Bébidja visiter le champ de nos confrères FC Jalor. Mais vraiment, c'est ça qu'on appelle l'agriculture. Et ce qu'ils ont fait nous a impressionnés. Et nous voulons emboîter leur pas, une fois déjà arrivés chez nous, essayer de faire comme eux ils ont fait. Une stratégie genre transversale, l'action propose ainsi d'allier 3 secteurs complémentaires et qui ont des objectifs communs, l'éducation non formelle, l'agriculture et l'égalité entre les femmes et les hommes. Les êtres humains naissent de sexe féminin ou masculin et apprennent à devenir femmes et des hommes. Mais dans toutes les cultures, le genre détermine les pouvoirs et les ressources dont disposent les femmes et les hommes.